Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 62 de Stage One. Et nous allons jouer aujourd'hui Harry Potter et la Chambre des Secrets, le jeu vidéo. Et donc je vous laisse tout de suite la cinématique. Harry Potter vivait au 4 Private Drive chez ses infâmes oncles et tantes et leur abominable fils Dudley. Harry était souvent enfermé dans sa chambre et même s'il était un sorcier, il ne pouvait s'échapper car il n'avait pas le droit d'utiliser la magie hors des limites de l'école. Un soir, un elfe de maison nommé Dobby apparut. Harry Potter ne doit pas aller à Poudlard. Si Harry Potter retourne à Poudlard, il courra un danger mortel. Dobby disparut et peu après, le meilleur ami de Harry, Ron Weasley, et ses deux frères, Fred et George, arrivèrent dans une Ford Anglia volante pour le libérer. Ils l'emmenèrent chez eux, au terrier, où Harry passa le reste de l'été avant d'utiliser de la poudre de cheminette pour se rendre sur le chemin de traverse. Harry fit la connaissance de Ginny, la sœur de Ron, et l'accompagna chez Fleury et Botte, où le célèbre écrivain sorcier Gilderoy Lockhart dédicacer son dernier ouvrage. Dieu du ciel, mais oui, ce n'est pas possible! C'est lui! C'est Harry Potter! Mesdames et messieurs, c'est le moment idéal pour vous faire une grande annonce. C'est avec une immense joie qu'à partir de la rentrée, j'assurerai les cours de défense contre les forces du mal à Poudlard. Ça a dû te faire plaisir, Potter. Le célèbre Harry Potter ne peut même pas entrer dans une librairie sans faire la une des journaux. Laisse-le tranquille, ce n'est pas sa faute. Alors, Potter, tu t'es trouvé une petite amie? J'imagine que tes parents n'auront plus rien à manger pendant un mois après t'avoir acheté tous tes manuels pour Poudlard. C'est le moins que je puisse faire pour aider les pauvres sorciers dans le besoin. Harry, on a raté le train. Le Poudlard Express est parti il y a 5 minutes. Oh non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, je sais que papa a pris la voiture pour aller travailler ce matin. Elle est garée sur Charing Cross Road. De toute façon, c'est notre seule chance de ne pas rater la rentrée. Après avoir bien vérifié que personne ne pouvait les voir, Ron et Harry s'envolèrent dans la vieille Ford Anglia. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est éviter les avions. Je n'y vois rien du tout. Oh, c'était juste. Je crois qu'on est presque arrivé. Je crois que la voiture va caler. Allez, ma belle voiture. Allez. Voilà, on peut enfin jouer. Donc les contrôles, ça se joue avec la souris, avec les flèches du clavier pour avancer, reculer, aller à droite, à gauche. Donc la caméra, donc je dis avec la souris, on clique pour les sorts, tout ça. Alors là, il va falloir passer sous la branche, logique. Là-bas, elle se soulève pas, donc il va falloir passer par la porte. Ça semble un peu évident au début. Donc là, il y a un coffre. Coffre grâce au sortilège Allohomora. Pour lancer un sort, je peux lancer un sort. Donc il faut que je clique et que je sois en direction du coffre. Ah, des dragées.
Des gros dragées qui font la taille de notre... Pour grimper sur un muret, plus de deux fois notre tête. De marcher dans sa direction. Cette gargouille pourrait me servir de... Alors ça doit s'allumer normalement. Voilà. Hop là, donc la porte là, elle est invisible. Pratique. Elle apparaît que quand on met du boss. Marche jusqu'à lui pour sauvegarder ta progression. Lorsque tu t'évanouis, ta partie reprend automatiquement au dernier livre de sauvegarde que tu as touché. Voilà, il vient de le dire, donc ça c'est un livre de sauvegarde. C'est pas très très joli la sauvegarde, comment il en fait, mais... Moi au moins quand on meurt, ou... Enfin quand on meurt, quand on s'évanouit, parce qu'on meurt pas. On est ramené là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Normalement on devrait retourner sur le terrain, ouais. Donc tous les objets qui ont un symbole comme ça, ils ont, de toute façon comme les autres, on pouvait leur faire un sort, de toute façon c'était sûr. L'arbre aussi, vous avez vu tout à l'heure, il y a un gros symbole sur l'arbre. Allez, on va passer. Donc voilà, encore un coffre. Un choco-grenouille. Les choco-grenouilles régénèrent ta résistance. En plus, elles sont délicieuses. Donc ok, pour gagner de l'énergie, notre énergie donc elle est en haut à gauche, c'est l'éclair, il se vide quand on perd de l'énergie, mais là on en a pas perdu, voilà. Donc ça on est au maximum. Alors là, il y a quelque chose. Lance un Halo Mora pour déverrouiller des objets ensorcelés comme des coffres ou des portes secrètes. Voilà, et on le laisse parler, il parle assez souvent, il y a des cinématiques qui vous coupent. Pour ça quoi. Alors là encore un dragé, même si pour l'instant ça ne servira pas à grand chose pour le peu qu'on va y jouer, mais au moins on les ramasse. Alors là la branche elle se lève toujours. Et Yaron. Bon travail Harry. Maintenant essaie de lancer un flipendo sur cette branche pour me libérer. Je crois que j'ai vu un point vulnérable juste là. Voilà, ici il y a un symbole, on lance flipendo et voilà. Merci Harry. Merci beaucoup. Oh non! Reviens! Papa va me tuer quand il apprendra que j'ai perdu sa voiture! Et maintenant, ne restons pas ici. Si le professeur Rogue nous surprenait dehors à cette heure-ci... Et ben il serait pas content. Alors continuons, donc là ça s'allume. Bon c'est assez évident, après c'est un peu répétitif. Donc voilà, donc ils disent que soit ça révèle les passages secrets, soit voilà, ça forme des objets. Voilà, la sauvegarde toujours. Pour sauter, cours jusqu'au bord et appuie sur le bouton droit de la souris. Essaie de ramasser les dragées sur tous les rebords, Harry. On marquait qu'il allait très vite, Ron. Hein. Voici il est déjà là-bas. Hein. Je ferais bien d'en ramasser le plus possible. Alors, je sais pas comment il a fait. Parce que nous, on est obligé de se taper un vieux chemin. L'autre, la grenouille, elle saute par terre là-bas. Harry, super utile. Il faut que tu montes sur ce rebord là-bas. Oui, bah ça, j'avais compris. Voilà, donc là, il y a un symbole flipendo. Flipendo pour pousser le bloc vers moi. Utilise-le ensuite pour sauter sur ce rebord. Je monte. Et après, je saute. Même si ça paraît loin. Eh non, on y arrive. Alors, là, il y a une statue. On remarquait quand même que pour rentrer dans le collège, il faut quand même... l'école, on va dire. Je sais pas pourquoi j'ai appelé ça un collège, le collège Poudlard, non. Non, donc les codes à l'école, il faut quand même passer pas mal de trucs. Pas mal de portes de trucs foireux, pour risquer pas d'y arriver. Oh là, il y avait quelque chose. J'allais un peu au pifomètre, il y avait quelque chose. Et tout comme toujours, il y a des dragées, super utile. Génial. Alors là, il y a une carte là-bas. C'est une carte des sorciers de catégorie bronze. Il y en a 50 dispersées dans Poudlard. Chaque fois que tu récupères 10 nouvelles cartes, tu bénéficies d'une augmentation permanente de ton endurance. Appuie sur la touche échappe pour ouvrir ton folio magie et admirer les cartes des sorciers que tu as déjà récupérées. Voilà, donc une carte de sorcier sorcière célèbre. Là, j'ai une statue qui doit me donner
Des dragées, voilà. Alors on remarque quand même que dans les jeux Lego ou dans les jeux plus récents, on peut taper un peu de partout, il tombe des dragées dans tous les coins. Que là, bon, là, il y a deux statues, enfin deux armures. On les a trouvées, on a bien de la chance. Alors, on continue. Le décor est pas très fourni, mon chargement est pas très joli non plus, mais il est rapide. On va lui donner ça comme avantage, c'est d'être rapide. Sinon, au niveau des graphismes, bah, comme on avait fait le 1, c'était aussi... C'était plutôt dans le même style au niveau du graphisme, c'est même la même chose, j'ai envie de dire. Il ne pleut plus. Au moins, nous ne serons pas trempés quand ils nous renverront. Viens, on ferait mieux de rentrer à l'école. Voilà, donc on va aller jusqu'à l'école. Au moins. Jusqu'au dortoir, on va voir. Donc, là, il y a des trucs à récupérer. Il y avait même plus haut, il y avait des trucs à récupérer. J'aurais pas dû sauter directement. Et si vous le savez pas, vous pouvez pas le savoir, quoi. Enfin, si vous y allez pas, et donc forcément vous oubliez plein des trucs. Donc la porte, elle est fermée. On va aller rejoindre Ron. Donc là, pareil, dans la cour, il y a tout un tas de trucs à récupérer qu'on pourrait pas récupérer après, ou alors pas en plus, quoi. Donc ce serait... C'est dommage, mais bon, c'est pas le but. Le dortoir des Griffons d'Or se trouve juste là, à droite. T'as oublié ou quoi? Vous voyez le hall, là c'est toujours à peu près la même chose. C'est le même décor qu'on avait dans le premier Harry Potter. Donc voilà. Alors on suit Ron, on va aller au dortoir. D'ailleurs il est pas très loin le dortoir. Alors dans le film il est censé être au dernier étage quand même. Il est censé monter tout en haut, hein, au 8e étage, le dortoir des Gryffondor. Bon là il est quasiment au rez-de-chaussée. Voilà enfin le portrait de la grosse dame. Donne-lui le mot de passe qu'on puisse aller se coucher. Je pensais que tu le connaissais, toi, le mot de passe. Comment je le connaîtrais, le mot de passe? Et moi, alors? Je ne t'ai pas quitté depuis notre arrivée. Tu as raison. Je crois savoir qui le connaît. Vous voilà. Tu tombes à pic. Il paraît que vous allez être renvoyé pour avoir eu un accident avec une voiture volante. Hermione, laisse tomber les leçons de morale et donne-nous le mot de passe. Anto cher. C'est bon de te revoir, Harry. Ah, vous voilà. Quelle arrivée. L'année commence sur les chapeaux de roue. Ah, au fait, maman est furieuse. Eh, vous avez entendu parler de notre commerce de dragées? Nous avons débuté avec les dragées surprises de Bertie Crochu. Fred, moi et plusieurs de nos associés avons monté un commerce d'échange dans tout Poudlard. Certains d'entre nous ont parfois des objets à échanger. Si tu as suffisamment de dragées, nous t'échangeons l'objet de ton choix contre sa valeur en dragées. Et où est-ce que je suis censé trouver ces dragées? Elles sont cachées un peu partout dans Poudlard. Il n'y a rien de plus facile à trouver. Tu devrais bientôt en avoir assez pour faire des affaires avec nous. Je serais ravi de t'échanger tes dragées. Donc voilà, on rentre dans le dortoir avec Ron. Donc ce sera tout pour Harry Potter 2 et la Chambre des Secrets. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.